Bonsoir et bienvenue sur Gamers Fusion, tout le monde, avec le cocktail, le présentateur, yeah, c'est moi. On s'est quitté, coq, oui, je sais bien. Et salut à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 56 de Mass Effect 2. Putain, j'aurais fait un record avec ce let's play. Putain, mais vous en faites pas, on approche de la fin, bande de babtou. Bah oui, parce qu'apparemment la mode c'est d'insulter ses abonnés, donc écoutez, moi je me mets juste à la mode, hein. Bientôt on va faire de la guide dégustation, hein, que tout, hein. Bientôt on va faire des pranks, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, hein. Bientôt on va faire du l'espace bleu. Comment ça on l'a déjà fait? Eh non, t'inquiète, bref, j'espère que vous allez bien, moi ça se fait, et aujourd'hui, on se retrouve. Comme vous voyez. Sauf que là, vous voyez, vous entendez personne? Je suis tout seul, oui. Je suis solo parce que déjà, on va aller à des petits armures. Parce que j'ai réussi à convertir le Devolve sur Mass Effect. Et sur le 2. Et bien sûr, il a fait le 1. Hein. Vous en faites pas, il a fait le 1. Vous en faites pas pour les fans de Mass Effect. Hein. D'ailleurs, on est en train de faire le multi du 3 là, oui, parce que j'ai le 3, mais il faut savoir que le 3, bah. Il touche pas, j'essaye pas de pas y toucher au solo. Parce que j'essaie de bien, voilà, hein. Et que je suis en train de farmer le multi comme un grand porc. Récupérer le module d'identification, moi ça n'a tout à fait. Et donc là, c'est l'avant. Attendez, avant-dernier épisode, avant la mission finale de Mass Effect 2. Mais après cet épisode final, il y aura un petit bonus. Et oui, tout le monde. Et oui, et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que vous comprendrez pourquoi, si vous voulez que je reste à la fin de la vidéo. Alors, on va dans l'épave de l'identification moissonneur. Parce qu'on n'a plus de contact sur le personnel de Cerbéos qui est là-bas. Donc, moissonneur. S'il n'y a plus de contact. Soit c'est qu'ils ont été soumis. Soit c'est qu'il y a des guettes. Parce que les guettes, vous savez qu'ils considèrent les moissonneurs comme des dieux. Et sinon c'est des récolteurs. On va prendre Grunt. Et on va prendre Tali, tiens. Voilà, ça me paraît bien. Oui, tout est bien. Tali. Non, par contre, Tali, s'il te plaît, fais-moi plaisir, mais un vrai. Oh, quoi que le cimetière. Non, non, l'écorcheur, s'il te plaît, Tali. Voilà, respecte-toi un peu. Cinématique, chut. C'est quoi ces scouts, Joker? Je fais ce que je peux. On a des pointes devant à 500 km/h. Ah ouais, quand même. Il y a un autre vaisseau à côté du moissonneur. Je ne capte pas d'identification, mais sa signature LADAR est celle d'un vaisseau guet. Ok, donc j'ai bien réfléchi. Pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact? Oui, je réfléchis maintenant parce qu'il faut savoir que j'ai passé le jeu en mode vétéran. Ce qui est... Je sais plus si c'est le niveau de difficulté le plus élevé ou le... Les champs gravitationnels ou juste avant le plus difficile. On vient de passer dans je trouvais que je m'ennuyais en fait en jouant. Donc voilà, j'augmente un peu la difficulté quand même. Hein, l'œil du cyclone en somme. T'inquiète pas Joker, t'inquiète pas, on est habitué. On est habitué à tout ça. T'en fais pas. Grunt, Pépon, Tali, je veux bien. Munitions incendiaires pour tous. Changer d'arme. Voilà. Munitions incendiaires pour tout le monde. Une odeur de sang. T'inquiète. Alors, déjà on commence. Et ouais, le petit cadavre, déjà ça augure rien de bon. Donc on va faire gaffe quand même. Faut savoir que j'ai déjà tourné le début de cet épisode, mais ça avait fail à cause du son. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop fait gaffe à l'entrée. Donc on y repasse, vous en faites pas. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est vachement stylé, et puis, je sais pas vous, mais les gars, c'est quand même un peu... Ouais, Joker. Où on est, on ne va pas pouvoir passer. Tu veux dire qu'il est toujours conscient? On va peut-être éviter de faire parler les canons, au cas où il y a des survivants, quand même. Il va falloir détruire... Gravitationnel, l'épave.
Je vous transmets les coordonnées. Merci, Déa. Avertissement, ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur. Oh putain. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir, l'épave percute la planète. Et du coup, tout le monde crève. Ouais. Joker, on compte sur toi. Le seul timonier capable de nous ramener entier dans les temps, c'est vous. On part à la recherche des survivants et des données disponibles. Gardez le contact. On garde le contact, Joker, on s'appelle et tout, on se fait une bouffe, t'as vu? Oh putain, encore t'inquiète. Quel bordel. Quelqu'un d'autre à la dalle? Oh non, t'inquiète, j'ai déjà mangé. Vous voulez que je les fasse sauter vous? Toi? Bah non. Enfin non, Preuve que j'avais raison. Non, non, les pics qui... Alors je suis désolé, vous aviez pas le son. Je suis vraiment désolé, j'avais pas fait gaffe que mon logiciel avait changé de paramètre et s'était dit allez non, non j'ai pas envie d'enregistrer le son de ton casque, non. Oui parce que pour savoir le son du jeu sort par mon casque, c'est plus facile pour moi. Je vais prendre ça, on sait jamais. Et vu que Action est complètement débile, hein? Nous en avons déjà vu Shepard. Votre peuple les appelle dents du dragon. Les guettes en étaient servies sur Eden Prime. Putain. Vous voyez la disposition de la pièce? On dirait qu'il vénérait cette horreur. Oh putain. Ce n'est pas logique. Aucune personne sensée ne ferait ce choix. Endoctrinement, vous avez entendu le journal de bord. Ils avaient des hallucinations. Ils étaient endoctrinés. Putain. Putain, ils se sont fait avoir comme ça. C'est trop tard pour les aider. Mais on ne va pas laisser ces machines se servir de leur cadavre. Oh non. Et tu sais pas comment faire pour... Putain, ouais, ils sautaient de là, ils sont pas allés dessus, quoi. Putain. Là, bah, l'enregistre, je l'ai joué et j'ai plus rien à prendre. Non, j'ai plus rien à prendre. Non. Ouais donc je suis désolé, je vous mettrai une petite musique, heureusement ça a pas duré très longtemps, donc vous avez pas manqué de dialogue important, donc je suis désolé encore, je pensais pas que ça allait faire ça. D'habitude ça me le fait pas souvent, donc j'ai l'habitude de vérifier à chaque fois, mais là je me disais, oh c'est bon, ça va planter, ça va peut-être pas me faire ça, ah bah si tu vois. Ah si ça te l'a quand même fait du coup. Putain, bordel de merde, je vous jure hein, ce PC, je vous jure quelquefois. Compensation du différentiel annoncé.
Ouais, vas-y, décompresse la pièce, vas-y, puisque je sens des ondes négatives là-dedans. Oh là là, laisse-moi. Oh là là, ça me tue le pile le papon. Oh là là. Je sais pas pourquoi t'as fait ça alors que t'es au pompe. J'ai merde. Y a un guette, les gars. J'ai vu un guette. Enfin, quelque chose qui ressemble à un guette. Ouais, voilà, j'avais raison. Bard. Et Bard. Oh putain, et... What? C'est qui est doué? Mais... Tu ne nous attaques pas? Administrateur. Comment ça, administrateur? What? What? Mais... Non, moi c'est Shepard. Moi c'est Shepard, je te ça présente Grunt et je te présente Tally. Vu qu'il vous connaît, dites-lui que j'ai pas besoin de son aide. Il ne devrait pas être capable de parler. Un gars isolé n'a pas plus d'intelligence qu'un barème. Grunt, je suis aussi perdu que toi, et Tally, oui, je suis entièrement d'accord. Normalement, ils sont en intelligence collective, ils peuvent pas. Arme parée. Ils peuvent pas parler à ce point. On y va, la mitraillette, hein. On va espérer des balles d'enchaînement. Mitraillette avec une munition Clio, ça passe trop bien. Ah oui, pendant que j'y pense, je sais que Mass Effect Andromeda arrive très bientôt sorti, il y aura une vidéo sur la chaîne, ne vous en faites pas pour ça. Et comment ça va se gérer entre Mass Effect Andromeda... Mass Effect 3, parce que Mass Effect 2 sera fini bien à sorte, vous en faites pas, ça je vous promets. Et ben en fait, ça va être en même temps que Mass Effect 3. Comme ça, vous avez le choix. Et où j'ai Mass Effect, puisque je rencontre aucun autre youtubeur, j'ai jamais rencontré un autre youtubeur qui... Après, si vous avez des suggestions à me dire, dites-le, parce que moi ça m'intéresse de rencontrer des confrères qui adorent l'univers Mass Effect, comme moi je ne connais pas. Dernièrement, il était sur Twitch 1 après avoir fait le 3. C'était Cyanure, que je vous conseille particulièrement, j'adore son commentaire, il est génial. Franchement, j'adore. C'est un youtubeur génial, je le conseille fortement. Et c'était le seul youtubeur FR que je connaissais qui était aussi doué. Qui était aussi. Bah ouais, on peut le dire, aussi doué que moi sur la trilogie Mass Effect, même sur l'univers étendu, puisque Mass Effect ne se résume pas qu'à des jeux, il se résume aussi à des bouquins, à des bandes dessinées. Et un film aussi, que si vous connaissez pas, je vous conseille fortement d'aller regarder parce qu'il est génial. Qui se passe entre le 2 et le 3. Par contre, le seul truc que je trouve chiant pour Mass Effect Andromeda, c'est que bien sûr, je ferai le let's play sur PC, vous en faites pas. Mais le seul truc chiant, c'est qu'il demande une config énorme alors que je suis désolé, à Mass Effect, ça n'a pas besoin d'envoyer du lourd graphiquement. Tant que ça a des décors magnifiques, moi ça me va perso, et la plupart des fans se sont plaints aussi à cause de ça, à cause de la config. Qui était un peu trop exagérée, ils ont tout à fait raison, elle était complètement... La config du 4 si vous voulez, est complètement abusée. Donc je pourrais pas le faire en ultra parce que... faut une 1080 pour le faire tourner en... je pense, un truc pas commandé, je sais plus. Je sais plus trop moi. Là je m'occupe des pistolets. Donc je le ferai. Ça sera sûrement les pistolets avec la qualité normale, je pense. Enfin j'espère. Parce qu'il est hors de question que je le fasse sur console, à Mass Effect, je suis désolé. Ça se fait sur PC. Il y a des choses qui sont sacrées. J'aurais pas dit ça il y a 3 ans peut-être, mais je suis un joueur PC et. J'ai découvert la joie des Mass Effect sur console, sur PC dans le monde, déjà. Et pour rien au monde, je retournerai sur console. Voilà qui devrait les affaiblir. Mon PC devrait être assez puissant normalement pour faire le faire tourner au moins normal. Voilà. Donc c'est teasé, hein, pour ceux qui sont restés, parce que je sais qu'il y en a qui se partent au bout des 2 minutes, d'ailleurs il faudrait m'expliquer pourquoi, les gars, mais bon. Faudrait m'expliquer. Et je vous le tease, premier épisode de Mass Effect Andromeda, bah le jour de. Dès le premier jour où je peux l'épisode. Parce que j'ai précommandé l'édition sur Hector.
Ça, je voulais rien que dissimuler. Parce que ça fait. T'as fait les. T'as fait les cartes, tu veux dire la Pico. Non. Les boucliers sont neutralisés. On verra bien. Et pendant que j'y pense, si vous voulez des vidéos sur le multi du 3, parce que j'ai des petites idées de scénario et tout, vous voyez, pour le multi du 3, parce que je m'amuse, franchement, je vous le dis, je m'amuse sur le 3, le multi, bref. Voilà, merci. Démarre-moi de lui, s'il te plaît. Voilà. Allez, viens ici, t'as de bulbes. Viens ici, mon chou. Oh putain, j'en ai à côté, quoi, les cheveux. Voilà. Putain, j'ai plus beaucoup de bulbes. Lâchez-moi. Putain. Ouais, Grant, t'es là, mais t'allié, elle est où? Non, oh, putain, t'as pas de pièce. Ah, t'as lu, t'étais là. Putain, je te cherchais partout. Faut pas me faire des peurs comme ça, t'as. Non, faut pas, je le sais. Bon, bref. Maintenant que j'ai utilisé bien comme il faut comme un bâtard et que je vous ai mis au courant au cas où si vous voulez des vidéos sur le 3, continuons l'histoire. Putain, ils sont vraiment dégueulasses les zombies sur le 2. Je préfère vraiment ceux du 3. Ou ceux du 1 même. Après, j'ai pas vraiment. Oh putain, Grun, tu fais chier, je voulais le garder pour les gros là. Oh non, mais putain. Après, perso, j'ai pas vraiment de Mass Effect préféré, je les adore tous les 3. Chaque Mass Effect a ses points forts et ses points faibles, donc pour moi c'est difficile de les départager. Après, si je devais dire vraiment celui que je préfère, ça serait les deux, je pense, c'est vite fait. Mais ça serait vraiment vite fait. Attends. Parce que j'ai beaucoup. Je suis en train de faire le multi du 3, donc c'est pour ça que je vous ai demandé ça pour Mass Effect 3, oui. Je joue ma gueule. Voilà. Dégage. Eh ben, vous voyez que c'est bon, les gars? J'ai goûté un coup de feu. Oh bah non, un coup de. T'inquiète, attends que je vais griller mes mines. Voilà, c'est bon, j'ai 130 munitions d'armes nucléaires, donc c'est bon. T'inquiète. On a une arme nucléaire. T'es sûr que c'est une bonne idée d'utiliser une arme nucléaire à courte portée? Mais oui, la dernière fois ça s'est très bien passé, y'a pas eu des radiations et tout. T'inquiète, ça passe bien. Ça passe bien, ne t'en fais pas. Je te l'ai dit, Polo, à moi je te l'ai dit, hein, ça passe très bien. Ça passe très bien, mon Pierre. Voilà, c'est bon, c'est piraté. Ma petite sauvegarde rapide qui fait plaisir. Ah, le module d'authentification. Quoi, c'est juste ça? C'est juste un vieux proco? C'était juste un vieux processeur qu'on devait prendre. Putain, je m'attendais à un truc quand même un peu plus gros. Ou je sais pas, une série de connes. Un truc comme ça, quoi. Je sais pas, ça me paraît très logique. Mais enfin bon. On va pas me plaindre, un peu tout, c'est une technologie évoluée, un scénario. Pour moi qui ai la propriété de le scénario. Oh. Oh, le get. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du Daft Punk ou quoi? Ou t'es Palpatine? Comment ça se passe? Oh! On a de la compagnie, voilà qui devrait les affaiblir. T'inquiète! Regarde. Ah oui, je m'en souviens de cette phase. Putain, c'est chiant. Moi, je prends bling.
Bref, je me souviens qu'il faut attendre que ce soit fini. Attendre qu'il saute et après tu tires. Il me semble qu'il y a 2-3 vagues. Voire 4. Ah bravo. J'ai besoin de boubou. Merci. Ah, c'est que ça, de toute façon, on peut facilement gérer. Tali ! Les gars ! Envoyez toute la sauce ! Vous dégagez. Ennemi repéré. Où ça? Quel ennemi? Oui, je suis un gamin. Toutes mes ex pour vous confirmer. Oh, oh, ça parle mal. Mais un gamin de qualité, s'il vous plaît. T'as pas l'impression de te couper? Pas du tout, les gars. Pas du tout, mesdames et messieurs. Et mes ex. Je sais très bien qu'il y a des filles qui regardent mes vidéos. À moins que vous vous êtes amusé à créer des comptes féminins. Mais ça, c'est votre problème après si vous avez que ça. Ça va. Cette phase est quand même chiante. Ouais, ouais. C'est pas la plus passionnante. Voilà, t'as fini. Pas bien joué dedans. Voilà. Bon, ils sont où? Là, il y a une petite abomination. Ouais, une dernière valise. On va y aller au pépon. Dans un ciel, mon gars. Contact à 3 heures. Vu que c'est la fin, je dirais qu'il va y avoir un gros. Ça me paraît très logique. Oula, oula, hey, les gars, hey, il y en aura pour tout le monde, vous en faites pas. Putain, hey, j'ai dit qu'il y en aurait pour tout le monde. Je sais me rappeler, c'est tout quand même. Je vais tous vous faire prier. Ah, non. Grant, bon bah Tali. Je vais désactiver leur bouclier. Je suis... Voilà! C'est bon, le moissonneur est mort! Y'a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà! C'est qui le papa? C'est qui? Pardon, ce jet est toujours là. Vous voulez qu'on l'embarque pour s'entraîner au tir? Ouais, pas con! Laissez ça là! Vous connaissez leur nature. S'il accède aux ordinateurs. Non, t'inquiète, on va l'attacher à l'arrière de la carlingue, il faut l'analyser, il me paraît suspect quand même. Oh putain de bordel de merde, mais j'ai tué votre patron, comment ça se fait que vous êtes encore en vie? Encore trouvé intact. Oui, mais ce serait courir un gros risque, je sais pas. T'inquiète, Tali, t'inquiète. Pas de temps à perdre en discussion, Tali. En avant. T'inquiète, je gère, je prends toute leur responsabilité, on l'attache à une corde derrière le vaisseau et puis c'est bon. Allez, on se tire, les gars, on se tire, on se tire. Allez, go, 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 go. Grant, tu nous cours. Attends, ton casque est complètement sale. Allez, à la une, à la deux et à la trois. Yahoo! Tali, vas-y. Grant. Grant, saute. Je suis derrière vous. Ouais. C'est bon. On roule. Enfin, on vole. Vas-y, go, Joker. Go, 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 go. Oui, oui. C'est tout. Mais je m'attendais à une grosse mission. Mais. On va taper. Voyez, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave. Bon, alors comment ça se fait que ce Getty nous parle là? Il y a besoin d'une petite analyse, je pense. Ouais, une petite analyse. Un passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau d'IDEA. Un Get intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Ça ne sera pas de trop. Avant de le démanteler, on l'analyse, d'accord? Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un Get intact.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout pourquoi il a une armure N7. Je veux savoir pourquoi il a un morceau d'armure N7 attaché à la poitrine. C'est peut-être un trophée. Vous croyez qu'une machine peut saisir cette notion? Non, c'est inutile. Un trophée est un signe d'émotion. Les IA n'en ont pas. Voilà. Ça doit être une réparation. Ça serait une sorte de fierté, les IA n'en ont pas besoin. Ce serait inutile pour lui. J'ai détruit des centaines de ces trucs, mais je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler. Celui-ci a essayé de communiquer avec nous. Il nous a sûrement sauvé la vie. Bon Dieu, pourquoi? La réactivation du guet représente un risque. S'il faut en arriver là, que ce soit dans l'intérêt de l'humanité et pas pour satisfaire votre curiosité. Les deux peuvent se rejoindre, comme il y a un autre côté, il n'y a pas de souci. Alors non, ça c'est mort, tu le donnes pas à Cerberus. On lui parle de. Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixé sur ce qu'on a là. Je veux le mettre en marche, l'interroger. Si on l'active, rien ne dit qu'on pourra le désactiver ensuite. Si, mon flingue. Merci à tous deux pour vos précieux conseils. On a tout un commando à bord. C'est pas un guet qui va faire chier, t'inquiète. Elle va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça. Je sais même pas comment on le chie, t'as dit. Alors, cet identifiant moissonneur. Eh ben écoute, c'était une carte graphique. C'est tout ce que je veux dire. J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Sa connexion avec les systèmes du Normandie présente certains risques. Analyse-le autant qu'il faut. On va faire attention. J'ai confiance en toi, Idea. Je sais que tu vas protéger le vaisseau, quoi qu'il arrive. Compris, Shepard. Il faudra sans doute plusieurs heures avant que le module soit prêt à être testé. Je vous avertirai dès qu'il sera opérationnel. Ça parfait. D'ici là, vous pouvez reprendre vos activités. On paye, soldat. Et ben voilà. Voilà, on avance bien. Comment ça, point d'actisme? Voilà, 22 points de conciliation, je préfère ça. Enfin ça. Du coup, on en est à où, en conciliation? Oh oui, j'aime conciliation. Bon, du coup, viewer, rompez!